Un petit test audio aussi avant. OK. Bateau. 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 Non, c'est bon. Bateau. C'est donc bien fatigant. C'est C'est une joke, je crois. ça qui J'avais tout ce que j'avais, me j'avais tout ce que j'ai besoin de faire. niaise, c'est. Bon. Bateau? Correct? Good. Fait que pour le dernier exercice, on va faire un smashing la fesse. Okay, un exercice tel que tel. Smashing la fesse, donc on va placer la balle sous le fessier. Je trouve ça malade qu'il ait senti le besoin de préciser. Oui, c'est ça. J'étais là, exercice, moi. C'est pas tant un exercice, mais un exercice d'automassage. On va dire ça. Bateau. Fait qu'on place la balle sous la fesse, donc sous une fesse. OK? On va aller apporter la cheville au-dessus du genou. Du même côté que ma jambe est fléchie, mettons, est en rotation externe. Fait qu'on place la balle au niveau du fessier. Là encore, là, gérez la tension que vous mettez avec vos bras parce que plus vous allez écraser dans le sol, plus ça va faire mal. Okay? Fait que là, je garde les bras en extension, puis déjà là, ça fait extrêmement mal. Fait qu'on trouve un spot, encore une fois, on le garde. Okay? Ça sert à rien que vous rouliez trop vite. On trouve un spot, on le détend, on gère la tension qu'on met dedans. Puis après ça, on en trouve un autre. Fait que c'est vraiment pas complexe, mais c'est d'y aller relativement doucement. Puis un coup, vous avez fait un bar, puis on switch au bar. Progression, c'est sûr que, tu sais, peu importe l'exercice, c'est toujours commencer avec le rouleau pour voir comment on se sent. Surtout si c'est la première fois que vous le faites. Puis si jamais vous ne sentez pas assez, progression avec la balle. Régression, tu veux dire? Donne-moi un exemple, mettons. La régression, mettons, pour le rendre plus facile, c'est ça, c'est pas un rouleau, je pense. Ben, c'est ça. Pour le rendre plus facile, oui, avec le rouleau. Puis si justement tu limites la tension que la pression que tu fais avec le rouleau sur ton muscle, mettons, ben, c'est sûr que ça va être moins pire.